du poisson cru à la tahitienne. Coupez le thon en cubes. Voilà le poisson cru coupé. Maintenant, on va le mettre dans un saladier avec de l'eau salée à mariner avec 100 g de sel par litre d'eau. Pendant une heure. Ouais, c'est bon. Marine au frais, nous préparons la garniture. C'est de l'oignon vert. On hache en petits morceaux avec des carottes et des concombres et un oignon. Maintenant, nous allons ciseler l'oignon. Coupez les tomates en cubes. Pressez les citrons verts. Et la garniture, concombre, carotte, oignon vert, la moitié d'un oignon, 3 tomates. Action. Voilà tous les aliments indispensables pour un bon poisson cru. Pour faire du poisson cru, un concombre, 5 carottes, 2 oignons. Des bêtes, des oignons verts, un demi-oignon, 3 tomates, 500 g de thon frais, du lait de coco fait maison, du jus de citron vert, 6 citrons, voilà. On égoutte le poisson mariné et on le rince à l'eau claire. Bien égoutté. Et le verser dans le jus de citron.
Laissez mariner une demi-heure au frais. Comme vous le voyez, le poisson change de couleur, il devient blanc. Comme le poisson a changé de couleur. Au bout d'une demi-heure de réfrigération. Maintenant, on va égoutter, on va garder un petit peu de jus de citron. Et on va l'égoutter. Voilà. Maintenant, on met les ingrédients dans le poisson cru pour faire une belle salade. Dis donc. Les oignons, c'est bête. Quelques petits oignons normales. Les tomates. Et le lait de coco. Fait maison. Mélangez le tout. Finalisation du poisson cru avant le dressage. Non mais recommence. Ben non. Hein? Oh bah oui, c'est tout fini. Arrête-moi ça là. Finalisation du poisson cru avant le dressage. Rectification de l'assaisonnement. Rectification de l'assaisonnement. Du sel. Et du poivre. Depuis le 1er juillet, 3 fois plus du poisson cru au lait de coco.